Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans votre Force Level, émission d'Inreal Games. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver sur iZombie, traduit tout simplement « Je suis un zombie ». On va voir ce que ça donne, à tout de suite. De retour les amis sur ce iZombie, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça, je sais ça fait deux fois je le dis mais ça fait doublement plaisir, voilà, surtout en ces périodes de Noël, les cadeaux, tout ça. Et donc on est sur iZombie, je vous rappelle rapidement le principe d'un Force Level, je vous présente le premier niveau, les premières minutes d'un jeu vidéo, afin que vous puissiez vous faire votre propre avis tout en connaissant le mien qui a manette en main, puisqu'aujourd'hui on est sur PC, sur Steam les amis, ce jeu est disponible à pas cher, voilà, donc n'hésitez surtout pas, moi je vous le conseille, et vous allez voir pourquoi, parce que le principe est débile. Je suis un zombie, je me dirige voilà, vers le petit civil que je vais convertir à moi. Alors bien évidemment, dans le principe, c'est très simple. Ça explique très 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 clairement ce qui va se passer. Voilà, on va le refaire puisque bien évidemment, le but de ce jeu, c'est de faire le niveau le plus vite possible. Donc là, je cours. Et normalement, en moins de 4 secondes, ça devrait être traité. Voilà, 4 secondes 5, c'est pas trop mal. On va faire le next level. Et on va voir tout de suite qu'on a une bande de petits copains à diriger. Faut savoir que nous sommes le leader de cette équipe et que nous sommes fragiles. Et donc il ne faut pas que nous soyons, on va dire, au premier rang du combat. Puisque vous le voyez à droite, nous avons l'armée. Puisque nous sommes dans une zone de quarantaine, c'est l'ensemble des niveaux qui va se dérouler dans ce type de zone. Et donc bah évidemment, hop, on va appeler nos petits copains. On va leur dire, allez les gars, à l'attaque. Il va falloir à chaque fois annihiler la vie, bien entendu. Voilà, on a converti tout le monde. Donc, en gros, c'est assez simple de principe. Je pense que tout le monde a bien saisi. Cependant, il y a des scripts. Désormais, vous les voyez. Alors, on va rester à couvert. Alors, ces niveaux-là, je les ai faits. Je vous explique pourquoi. J'ai oublié d'appuyer sur record. Donc, j'ai pas enregistré. Et je vous blablatais pendant je sais pas combien de temps. Voilà. Donc, allez, c'est parti. On va attaquer les civils. Hop, voilà, parfait. Et on va dire à tout le monde, hey man, follow me now. Ok, let's go, ok. Hop, et on va se planquer ici. Voilà, et on va leur dire d'attaquer au bon moment. Maintenant, c'est pas mal. Donc ils prennent les balles pour moi en théorie, même si c'est moi qui ai un peu tout pris. Et moi j'arrive derrière pour convertir. Faut jamais que je sois mis en avant, sinon bah, je prends toutes les balles et je crève direct. Voilà, donc j'en étais ici, et là c'était un petit peu plus compliqué déjà dans le délire. Alors, mon but déjà c'est de passer par en dessous pour aller rabattre ces paysans. Merde. Hop, voilà. Alors du coup il a regagné de la vie, etc. Si j'arrive par le haut, en fait le mec va courir vers l'armée, et du coup il va me faire grave griller. Donc là il m'a grillé, tac tac tac, on s'en fout. Tout le monde me suit, on refait le petit tour et on va voir comment ça se passe. Alors, là c'est un tout petit peu plus compliqué. Il faut savoir que ces mecs, ils sont un peu chauds. Alors je leur dis d'attaquer, mais là manifestement, regardez, c'est pas terrible. Hein. Ça a grave foiré en fait. Donc typiquement là, je suis bon pour recommencer la partie. Hop. Ouais, ça pas bon, ça a pas bon. C'est pas bon du tout, Tony, c'est pas bon. Allez, on va essayer de le refaire. Ça se complique très très rapidement. On a 20 niveaux à peu près. Voilà, hop. Suivez-moi tous, sinon ils vont tous se faire dézinguer. On a une vingtaine de niveaux. D'ailleurs, on a 20 niveaux, je crois, tout court. Et on voit que la difficulté est vraiment... Ouh, voilà, faut y aller, quoi. Alors, les mecs, là, ils m'ont vu à travers la maison. J'avoue avoir du mal à comprendre comment attaquer cette partie. Que les mecs sont assez chauds et si j'attends qu'ils soient en bas pour revenir sur eux, ils vont se tourner et ils vont y aller. Donc, et c'est sur moi qui vise. Ah, je suis Keblo. Non. Putain, c'est super chaud. C'est super chaud. On a commencé le truc quand même. Je pense que le principe est assez clair. Je suis encore un petit peu malade, le nez un petit peu encore bouché. Venez là les gars. Voilà. Faut savoir que ça fait longtemps que je vous ai pas tourné d'émission. Je fonctionne beaucoup sur le stock d'IRG actuellement, étant malade, même énormément malade ces dernières semaines. Ah merde, c'est compliqué. Allez, venez là.
va y aller un peu comme ça. Allez, lui, il va faire bugger le truc, évidemment. Ok. Hop, on va voir en le faisant bugger si ça nous arrange ou pas. Et oui, ça nous arrange, voilà, c'est bon. Que je suis un méchant mec qui bug les choses. Allez, follow me now. Hop, tout le monde. Pump it up. Et on y va, c'est parti. Moi je reste derrière. C'est le plus important et on les a convertis. On peut attaquer les scientifiques qui sont en bas. Qui ont plus une tête d'informaticien d'ailleurs. Voilà, on le dit comme ça. Bon, ça se complique un peu. On a personne. Va falloir faire de l'attaque isolée les amis. Ok, hein, soldat, c'est bueno. On va attaquer tout le monde, bon. Ok, à chaque fois c'est très limite, hein. Mais l'avantage c'est que si j'arrive à me faire ma petite armée, on va pouvoir les attaquer tous ensemble. Là c'est un peu moi qui prends, c'est pas prévu. Allez, on va se mettre à couvert encore une fois avec notre ami qui bug. Parfait. Wow, 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 wow. Calme-toi, toi, là-haut, hein. Calme-toi. Il est vénère, le gars. Merde. C'était pas prévu comme ça. C'est pas grave. Ça devrait le faire, quand même. Voilà. Parfait. Bon. Très rapide. J'ai l'impression qu'on va torcher ce level, en fait. On va torcher, on va faire un let's play en un épisode de 20 minutes. On est des ouf. Ah, je suis obligé de prendre des balles. Ok, alors on se fait le civil avec. On se concentre, on y va. Très bien, hop, follow me. On va l'attendre. On peut passer par là ou pas? Non. Ah merde, il y a deux gars là-haut. Ah, c'est pas pumpé l'op ça. Alors, soit on rentre dans le tas, ou on se fait le mec en haut. Un choix stratégique assez cornélien. En même temps, il y a deux mitraillettes en bas. On va se faire décimer. En même temps, le mec en haut, il a le temps de nous voir venir, quoi. Bon. On va se faire le mec en haut. Allez, les gars. Hop, follow me. Allez les gars, attaquez. Non, revenez, revenez, ça sert à rien. On s'est fait défoncer comme pas permis. Hop, on aurait dû y aller comme ça. Et là je vais me faire décimer. On a vu qu'il fallait passer par en bas. Voilà, ça c'est clair au moins. Super. Hop, on se fait celui-là. Allez, on donne l'ordre d'attaquer. On va se mettre ici. Voilà. Parfait. On l'a converti. Allez, passez devant les gars. Hop, parfait. Et là on va attaquer par en bas du coup, hein. On voit qu'il y a des troupes qui sont un peu mal en point. Plus leur vie descend et plus enfin moins ils sont efficaces. Allez, c'est parti, on rentre par là. Parfait. Et on peut attaquer le reste. C'était la bonne technique, voilà. On a pas mal géré. 3 étoiles toujours. C'est pas si mal. On va continuer encore un tout petit peu les amis. Oh no! The scientific is working in anti-zombie super weapons. Ok, en gros les scientifiques ont travaillé sur un pistolet anti-zombie. Voilà, qu'ils appellent le super weapon. You need to infect him. Vous devez les infecter dès que possible. Voilà. Watch out for his guard. They are very dangerous. Ok, c'est vraiment très compliqué. Il y a beaucoup de gardes et c'est surtout que c'est vraiment très dangereux. Avoid at all cost. D'accord. On peut acheter des trucs. Qu'est-ce qu'il me dit lui? On va voir hein, si ça marche bien leur truc. A mon avis.
On va voir si... Ah ouais, c'est grave efficace, ça s'appelle une mitraillette, les gars. Voilà, ça s'appelle un MP5, c'est juste l'idée, hein. Ah merde! Putain. Donc dans l'idée, maintenant, je dois les esquiver. Avec un Z, esquiver. Putain, sans déconner. J'arrive pas à me faire à la planque, quoi. Merde, je vais te confronter à un gars. Ouais, c'est chaud. Il faut que j'arrive à trouver moyen de passer par la droite. C'est un timing de port. Je vais essayer de l'attendre, lui. Ouais, ça marche pas, ils ont des armures et tout, non, c'est mort. Allez, vite, on run, on run, on run, on run. Ok, on est pas mal, là. On se concentre, on joue pas au con. Ah ouais, mais là, c'est tard. Ah ouais, mais non, on va repasser par en haut, en fait. Eh ouais, j'allais dire, non, c'est pas possible, les gars. Vous avez craqué, là. Wow, motherfucker. On va se régénérer un peu avant. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Ah putain, non, chaud. C'est chaud. C'est chaud. Là, c'est chaud. La musique me met tellement dedans aussi, c'est assez affolant. Ah putain, et c'est un warrior ce gars, sans déconner. Ça va être tendu. Ok. Alors faut attendre, parce que le temps que ça se resynchronise avec le mec qui est en bas qui a un parcours plus petit. Bon. Faut attendre que lui se barre loin loin en fait, hein, vraiment. Ah putain. C'est tendu, dernier essai les amis. De toute façon je pense qu'on aura vraiment vu à quoi ça ressemblait, hein. J'ai pas besoin de vous faire un gros dessin, je pense qu'on est en retard sur le timing déjà. Et qu'on risque de se faire laminer. C'est chaud. Alors là j'aurais eu potentiellement le temps. On va devoir attendre 3 tours, je crois. Là, c'est trop short. Là, c'est pas mal. On est bon. Pardon. Désolé. Wow, ça commence à devenir trash. Comment tu veux que je passe? Comment tu veux que je fasse et que je passe? Surtout ça le business, les gars. Voilà, je suis mort. Déjà dès le début, allez, bim. On va la jouer comme ça. En fait, mon but c'est d'abord récupérer les mecs qui sont en bas pour ensuite remonter, faire l'ensemble. Et attaquer les mecs qui sont à droite. Bref, je pense qu'on a vraiment cerné le but du truc. Les amis, je vous remercie d'avoir maté ce first level. N'hésitez pas à vous abonner, surtout si ça vous a plu, si vous en voulez encore. Et surtout, n'hésitez pas à nous retrouver sur les différents réseaux sociaux disponibles, peut-être que Facebook ou encore Twitter. Oui, j'ai postillonné, c'est comme ça, c'est de l'amour. Je vous offre de l'amour en postillant. Moi, je suis comme ça. Allez, peace.